Maurice Diaye, qui est parmi nous, tout comme Sékou Diguié, également un grand propriétaire des chevaux de course, qui est parmi nous. Le top départ de cette deuxième course de la soirée vient donc d'être donné. Une partie rythmée devant les chevaux de Burkina Faso qui se partagent les deux premières places. Attention, le Mali a pris légèrement la tête. Le Burkina Faso est revenu. Je vois également le Burkina qui n'a pas disputé les mots. Ali Konaté est en train de bouger. Hein? Il bouge. C'était passionné. Voilà. Nous profitons pour faire un clin d'œil à ce client qui est en voiture. Le spécialiste dans cette partie, je sais pas, il a fait le champion, il est parti, il est parti, il est en train de titrer pour le moment. Et je vais dire que nous venons, ils sont tous du Mali, il y a tous les champions en tenue rouge, qui sera l'un des chevaux du Mali, il a pris la deuxième place, mais il se trouve certainement dans la bonne corde, qu'il va certainement perdre. C'est une partie rythmée, ça va vite. Il va tenter maintenant de prendre les cœurs. Le cheval. Et il me semble que c'est Sidra. Attention. On fait la passe à deux. Il n'y a plus de pépins. Maintenant, c'est l'un de ses coéquipiers. Deuxième balle à chercher cette première place. Il va se battre. Il est en deuxième position. C'est un cheval du Mali qui va se battre pour aller chercher, mais ça va être compliqué. C'est presque plus, hein. Ça se complique. C'est un cheval également du Mali qui est en tête. Nous sommes-t-il dans cette partie? Le Mali qui risque de faire du Wattu. Attention, c'est ici quelque chose pour toi, hein. Dans le dernier virage, nous sommes à les 150 quelques mètres. 100 mètres maintenant, ça va être extrêmement vite, ça va vite. Attention, on risque de toucher la première suite. En cette de partie, Nero qui fait le premier revenu. Avec le mot, la victoire, le mot, le mot, le mot.